Toutes ces années passées dans une grande ville, et on finit par la quitter. On vit un rêve éveillé. Après tout, ce n'est peut-être qu'un rêve. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique YouTube, destinée à vous parler de films, de séries et de documentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver donc sur cette chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu ce matin sur Amazon Prime Video. Il s'agit de La couleur de l'espace, hors de l'espace, ou Color Out of Space. Il y a également un autre titre que j'ai trouvé d'ailleurs. La durée de ce film, c'est 1h50. Prime Video dit que ça date de 2020, mais la date de sortie initiale, c'était le 7 septembre 2019, et l'histoire. Après la chute d'une météorite dans le jardin de leur ferme, Nathan Garner et sa famille se retrouvent à combattre un organisme extraterrestre et mutant qui s'est introduit dans leur corps et leur cerveau. L'inquiétude de leur vie à la campagne va se transformer en cauchemar en technicolore. Bon, effectivement, donc c'est une météorite qui tombe donc à côté, enfin à côté de leur ferme, à côté de la maison plutôt, dans le jardin. Et il y a de jolies couleurs mauves, de jolies couleurs violettes, ouais, d'accord, des bruits bizarres et tout ça. Il s'agit d'un film de science-fiction épouvante horreur, donc je le recommande pas pour tout le monde, mes amis, surtout pas pour les enfants, même si ça fait pas très très peur. C'est un film, j'ai vu que les critiques étaient moyens. Effectivement, si je l'ai regardé, c'est à cause de Nicolas Cage, donc qui joue le rôle du père dans cette famille. Nicolas Cage est un acteur que j'aime beaucoup, donc c'est surtout à cause de lui que j'ai regardé ce film. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film sur Amazon Prime Video, et la dernière fois c'était une très bonne série d'ailleurs. J'ai vu la saison 1, j'attends toujours la saison 2. Mais je suis plus sur Netflix, mes amis. Voilà, je suis plus sur Netflix que sur Disney+ ou Prime Video. Mais cela dit, bon, il y a de bons films quand même. Mais La couleur de l'espace ou Color of Space, tout ça. Bon, si vous aimez Nicolas Cage comme moi, bah je vous conseille de le voir. Si vous aimez pas Nicolas Cage, si vous aimez pas les films de science-fiction, si vous aimez pas les films d'horreur, bah justement, je vous conseille pas. Je vous conseille pas à ce moment-là de voir ce film. J'ai pas fait de vidéo hier, donc je ferai peut-être une deuxième vidéo par la suite, plutôt sur un film comique. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, mes amis. Restez en forme, portez-vous bien, restez en sécurité évidemment, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.